Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Barracuda et on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de Mister Craft sur une île de fou. Et je suis toujours en compagnie de mon ami Mister Ditech, bien sûr. En fait, t'es qui? Bah, c'est Mister Barracuda. à nos abonnés nous a proposé de donner un nom à ce cher monsieur qui est donc notre villageois arnaqueur. Et on a décidé de l'appeler Maurice. Maurice la pastèque, voilà. Maurice. Et puis je rigole pas, tu es qui? Je suis Mister Barracuda, je veux dire. Je veux dire Mister Ditech. T'as pris de la barbe alors. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons aller faire un donjon dans une vie. C'était quoi ce bordel? Je sais pas, c'est un chien qui s'amuse. C'est un chien qui bug. Nous allons faire un donjon dans une ville sous l'eau, mais sauf que d'abord je voulais juste vous dire. Vous avez certainement dû remarquer un petit changement dans notre repère. C'est plus tellement avant sur le mur, c'était des demi-dalles de pierre comme ceci, celle-là quoi. Ouais. Et pour une raison inconnue, maintenant on a ce plafond là en briques du Nether. Ouais, alors on vous jure, on sait pas pourquoi. C'est peut-être à cause de la nouvelle mise à jour 1.4.6 ou je sais absolument pas. Mais en tout cas, même sympa parce qu'on avait déjà fait, on a déjà commencé en 1.4.6. Ah mais non, mais maintenant c'est une nouvelle version encore, c'est avec les feux d'artifice, voilà. Donc c'est peut-être à cause de ça, mais ça risque pas de changer grand chose. En tout cas, on a regardé un petit peu la map. Il y a peut-être juste les maisons là-bas, bah justement là-bas il y en a une en brique du Nether, mais... C'est normal. Ah ok, voilà, donc non, de toute façon, ça change pas grand chose, on va pouvoir faire avec. Alors, je disais, aujourd'hui, nous allons faire le donjon qui est sous l'eau. C'est une ville sous l'eau. Un petit peu, pour ceux qui connaissent la ville Atlantis, un peu du genre. Vraiment bien réalisé, hein, quand même, je trouve, ouais. Moi, Mister Nitech. Ouais, parce que, ouais, en plus, il a fait genre que c'était comme si la moitié de la ville, elle est tombée sous l'eau. Voilà. Parce qu'il y a une moitié de maison qu'on retrouve à la surface qui est sous l'eau. Voilà, donc vous allez pouvoir voir ça dans quelques secondes. Si on retrouve ça, mais il me semble que c'était dans cette direction. Hein. Oui, il y a la plage où c'est qu'on avait dormi. Ouais, il faut aller sur la plage. Puis c'est là-bas après. La plage dans laquelle on avait dormi. Mais j'ai l'impression que tout ce qui était en fer sur ce serveur, donc là ça bug un petit peu, vous voyez sous la map, voilà, c'est bon, ça charge. Tout ce qui était en fer sur ce serveur est maintenant en nether brick, comme l'espèce de pilier là-bas avec de la lave qu'on pouvait apercevoir avant, voilà. Ouais, ça c'était en fer. Ouais, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi le fer est remplacé par de la nether brick. Enfin bref, c'est pas très grave. C'est pas normal. Non, mais on va faire avec. On dit que c'est... C'est cette maison là. Ouais. Qui est... qui a glissé. On a qu'à dire que c'est le sabre qui mute. donc, Mister Ditech, on va commencer par où? Alors, on s'est fait des casques. On a réussi à se faire des casques avec de l'apnée. Donc, on peut rester beaucoup plus longtemps sous l'eau. Et aisance aquatique, c'est qu'on peut marcher presque facilement sous l'eau, comme si on marchait sur la terre. Alors, c'est le donjon 8. Mister Ditech, où es-tu? Je te vois pas. Je suis derrière toi. Attends, j'ai juste pas pris des potions. Ah mince, j'ai oublié les potions. Night Vision. Voilà, donc je vais juste couper la vidéo pour aller les rechercher à la maison. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Allez, à toutes. À toutes. Et voilà, donc on arrive à nouveau vers cette nouvelle ville. Ouais, c'est vers cette ville, pas cette nouvelle ville, parce qu'elle est pas tellement nouvelle à voir comme elle est sous l'eau. Et on a récupéré toutes nos potions de vision nocturne qu'on avait dans notre repère, on va dire ça comme ça, ou notre bunker, on sait pas trop. Donc vous pouvez voir que j'ai l'honneur d'avoir le pénétrateur de Mister Ditech comme arc. Attends, Mister Ditech, viens, j'ai juste mettre une potion, voilà, comme ça c'est pour nous deux. Et ceux qui visionnent cette vidéo peuvent admirer cette magnifique ville. Ouais, si tu veux, cette magnifique ville sous aquatique, quoi. Donc, Mister Ditech, je te propose qu'on aille directement dans cette première maison dans laquelle tu es juste en dessus, quoi. Ouais, mais il n'y a pas de respiration là. Non, si, tu peux respirer. Aïe, il y a un enculé de cochon zombie qui a pas apprécié ma tête. Aïe, aïe. Ah, il y a une pépite d'or. Alors, il y a des disques. Il sort d'où ces trucs? C'est ma gueule. Bon, moi je suis armé de mon épée en diamant, l'épée
du Mr. B. Voilà. Je voulais pas mettre. Du, ça rigole plus. Ouais. Je voulais mettre du Dovahkiin, mais. Ah merde, excuse, prends les torches si tu veux. J'en ai un stack, moi, si jamais. J'en ai un stack. Bon, on s'en fout, on n'a pas besoin de tout ça. Mr. Zitek, on va. Allez, mais. Il veut chier, ce salon. Plus de ça, il a même pas d'épée, cette espèce d'âne. Il m'attaque, il a pas d'épée. On va dans le donjon à côté ou attends là-bas Mr. Ditek, il y a une petite maison ronde. Ouais, une petite, elle est pas si petite que ça mais elle est assez. C'est ouais, c'est un bâti. Tiens, un gros là. C'est ouais. Donc ouais, t'es sûr. Pourquoi tu veux pas j'aime pas. Attends, casse la vitre, casse la vitre. Je m'en fous, moi je casse de toute façon. Oh, il y a un spawn de village. Sorcière. Aïe. Oh la salope. Aïe, je suis empoisonné. Moi aussi. Je vais boire une potion de force. Je sais pas exactement à quoi ça sert les potions de force. Ce truc, là. Attends, je vais le casser, Jean-Pierre. Voilà. Donc, on a fait une petite rencontre avec une gentille sorcière qui nous a balancé un truc alors qu'on avait rien fait. Je vais un petit peu calmer le courant parce que c'est de la vraie daube. Gâteau. J'ai mangé un petit gâteau. Quoi, ça te fait tout le temps, mal. Ouais, c'est bon, il me reste une seconde. Voilà. Les potions force, ça te fait quoi par ça, Mr. Ditek? Alors, je ne sais pas du tout. Ok, bon, très bien. Alors, si vous qui regardez cette vidéo, vous savez ce que ça fait, n'hésitez pas à nous dire. Ouais. Je sais pas si c'est un niveau quand on tape quelque chose ou quelqu'un. En général, c'est plutôt à ce niveau-là, je pense. Voilà, ah, donc j'ai calmé le courant parce que c'est vraiment de la doubleté ou Mr. Ditek à part ça. Je suis monté à l'étage. Ah, là, ouais, il y a une échelle. J'avais pas vu. Je ne l'avais point vu. Ok. Ah, t'as mangé du gâteau, toi. Ouais. Comme ça, sans moi. Ah oui. Je casse ton gâteau, puis je monte à l'étage. Ah bah toi. Ok, il y a un checkbox. Là, il y a un petit coffre avec une perle de doudou. De toudou, pardon. Et oui, ça s'appelle vraiment un toudou. Maintenant, les Enderman s'appellent des toudous. Je sais pas pourquoi. Il y a le Restim là qui est descendu. Oh putain. Ils ont moins de. Oui, c'est stylé. Attends, on va un petit peu. Ouais, un Enderman, je trouve que c'est un beau nom. Ouais, c'est un nom sympa, classe quoi. Et pourquoi donner. C'est toi. Hein? Non, j'ai cru qu'on était à la sortie là déjà. Ah non. Non, il est assez grand ce bâtiment, cette maison, je sais pas trop ce que c'est exactement. Il y a des potions explosives soins. Je prends. Ça, j'ai plus besoin. En fait, faut se rappeler qu'on est sous l'eau. Hein. Ouais. Même si on a longtemps. Rien à foutre. Vitesse, régénération, méga guard, potion, nausée, faiblesse, soit oublié. Okay, ça sert à rien ce que je fais, je voulais essayer de faire un petit coin pour qu'on puisse respirer, mais on va redescendre en dessous. Voilà. Nyctalopi, Mr. Ditek, c'est bientôt fini, je te propose qu'on en remette une. J'en remets une, c'est bon. Bonne idée. Et vas-y, on se drogue. Oh, j'aime la drogue. Viens, on peut ressortir par là. Ouais, on va ressortir par la fenêtre, moi. Mais ouais. Non, mais derrière. Oh là, je m'en fous, moi je casse tout. Et on va directement aller voir dans la maison à côté qui m'a l'air bien étrange car il y a des araignées dedans. Ouh, oh là 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 là, il y en a trois qui sont à la fenêtre. Et on casse la vitre. Ouais, mais ouais, voilà, on les noie. Je m'en fiche des araignées. Ah, on casse la gueule. C'est ça, c'est des araignées qui empoisonnent, je crois. Ouais, celle-là. Il y a du bon cadeau. Oh, fais gaffe. Celle-là. Attends, celle-là, je vais essayer de péter le spawn. Voilà, ça. Vas-y. J'ai même récupéré un lit. Il est bien bon. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Le charbon. Ouais, ça c'est une araignée. Ah, oui. Bon, je vais tout ramasser. Des araignées spawn de je sais pas où. Alors, je vais voir ce qu'il y a dans ce coffre. Bon, je vais tout ramasser le merdier que je viens de lancer, mais c'est pas grave. Ouais, ça je peux prendre, mais ça me sert plus à grand chose avec tout ce qu'on a. Ou un arc puissance 3, des jambières de fer, ça c'est plus résistant que les jambières en maille, tu sais ou pas? Les gens respawn devant moi, elle. Pas du tout. Ah, mais y'en a une chier là. Ouais. C'est bizarre. Bon, alors. Il y a un coffre encore ici. Avec. avec du papier toilette à l'intérieur. Tranchant 2, putain, mon dieu, le jour où tu tues un mec avec un bout de PQ, t'es quand même fort. Bah, vas-y, moi je vais le faire, je vais m'armer de mon morceau de PQ. Ça s'appelle donc du toilet paper, hein, pour les anglophones. Et je vais tuer une araignée avec du PQ. Toc, toc, toc.
Et où? Voilà, Pas vous pouvez me direct. bénir maintenant que j'ai tué une araignée avec une feuille de PQ. On va où? On va dans cette espèce de manoir bizarre. Ok. Je suis sûr On qu'il y a entre plein par de la trucs. vitre. Ouais, on entre à la Matrix. Ok. On entre discret. Ninja. Aïe, 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 aïe. Là, y a déjà. Ouh, Voilà. Vous ninja. faites gaffe, y a une salope là. Une salope. Attends, c'est marqué quoi? Attention, Mister Zitek. Aïe, 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 purée! RFM. Oh là 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 là. Zitek, jamais, elles sont deux J'arrive, là. j'arrive, j'arrive. Faut vite les. Faut vite les casser leur spawn. C'est bon. Je vais vite niquer celui qui est là-bas. Bon, ça, c'est un zombie. Oh, c'est les bébés zombies! RMF, FM, Pop Station. Ok. Purée, je vais crever, Mister Zitek, je crois. Ouais, je vais crever, ça fait chier. Bon, attends, je vais mourir là. T'as pas une potion de vie là? Ah non, c'est trop Sur tard. toi? Ah, mais merde, en fait, non, c'est vrai, j'ai oublié Et le hop. poison. Le poison ne tue pas, mais t'affaiblit au maximum. Donc, il me reste un demi-coeur. Je vais manger une petite boule de pastèque. Mr. Ditech a dû bugger, donc je vais juste couper la vidéo un petit coup et on reprend dès qu'il est là. Et voilà, Mr. Ditech m'a à nouveau rejoint après un petit bug technique, mais par contre, tu n'as pas ton skin, mais c'est pas grave, de toute façon, t'as une protection de malade. Alors, Mr. Ditech, on va descendre, puis il y a l'air d'avoir du monde, donc prépare-toi. Ouais, bon, ok. Wow. Alors on a notre objectif, mais il y a du silver, hein. Il y a du silver, ok, puis oh, il y a des petits zombies avec des épées en diamant qui Ils font mal en C'est vraiment culé ces petits machins. J'ai très très faim. Ouais, vas-y, mange un petit bout de gâteau pour reculer. Mr. Titek, viens m'aider, j'ai très mal. Je vais juste manger à nouveau un bout de pastèque. Je vais regarder. Ok, Silverfish là. Attends, je vais niquer les spawns. Viens avec moi. Récupère vite. Oh non, putain. Merde, j'ai plus de place, je peux pas récupérer. Ces petits enculés de trucs, ils ont des armures en diamant en plus. Je sais vite pas où péter t'es là. leur. Ah, Mister Ditek, viens. Attends, remonte. Des Silverfish partout. Il faut non, non, passer à la purge comme un abonné, il a dit. Ouais, mais moi je vais crever. Et voilà. Bon, bouge pas, Mister Ditek, je vais te rejoindre tout de suite. Je coupe juste la vidéo en attendant. C'est quoi ça? Et voilà, donc on est à nouveau là avec Mister Ditek. J'ai repris tout mon stuff. Mais il y a encore du monde en bas. On a réussi à détruire quelques chaud. spawns, mais il y a quand même encore du monde. Je sais pas où ils sont. Bon, on va récupérer la laine. Alors, c'est Ah, la laine je cyan savais que cette ça fois. Ouais, vas-y. C'est la laine cyan et on va juste. Ouais, on va pas trop s'aventurer, Mister Ditek, parce que sinon, je sens qu'on va se refaire. Je vais me refaire tuer. Je vais juste voir s'il n'y a pas quelque chose d'assez précieux. Ah, là, il y a un coffre. Oh merde, je peux pas prendre. Attends, c'est un piège. Non. Alors, il y a un casque en maille avec protection contre les projectiles et contre les explosions. Que bon, moi, je m'en fous. Vas-y, prends si tu veux. Ouais, sinon, il n'y a rien de bien précieux à part notre objectif, quoi, notre laine. Et attends, parce que je vois des panneaux dessus. Où ça? Je vois des panneaux sur bibliothèque, par exemple, géographie. Peut-être que si on casse, est-ce qu'il pourrait nous donner une carte ou je sais pas. Ah, non, ça nous a pas donné quelque chose, non? Si, il y a un Non. livre, mais je pense pas. Je pense que c'était juste parce que c'était une bibliothèque pour faire genre. Ok. Comme on avait fait dans notre toute première bibliothèque au tout début de notre serveur. Ouais. Donc on a tout récupéré ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, Escaroc, Chili Radio, RMF FM, putain, c'est dur à dire. Et Pop Station, ok, donc on en a rien à foutre, on y va. On rentre à la maison. Ouais, on peut rentrer. Attends, on va juste un petit peu regarder les autres maisons qu'il y a. Ah oui, j'ai encore la visite. Attends, je vais juste voir s'il n'y a pas d'autres maisons assez intéressantes depuis tout en haut. Est-ce qu'il fait nuit? Et celle-là, là, on l'a faite? Laquelle? Celle où je suis. Alors, on a fait celle-là. Non, Ah on n'a non, pas fait. celle-là, on l'a pas faite. Attends, on va faire celle-là. Moi, je fais celle d'à côté, celle de droite. Oula, j'ai bientôt la nyctalopie qui. T'as une potion, toi, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, moi je vais Ah, m'en faire squelette péter de une là. merde. Tiens, mange. Bon, je te tue, t'as compris. Allez, y'a quoi là? Voilà, on revoit un De petit peu. la Oula, y merde. a un squelette sans arc, ça me perturbe trop ça. Eh ben, moi j'ai du gâteau chez moi. Oh bah, moi j'ai du rubis! Dave, you. Mais.
ça va voir. Voilà. Preview. Alors j'ai des rubis, j'ai un panneau tranchant. Normal. Ok. Et d'ailleurs pour la fin de la vidéo, je vais me démerder avec une feuille de PQ. C'est un petit défi, je me lance. Ouais, ouais. Ouh, attends, ça clignote. Je vais vite aller me poser vers toi, puis moi j'y clique une dessus. Ah, mais attends, zigzag une pour toi. Ouais, bah vas-y, gicle pour les deux. Voilà. Parce que moi je viens de m'en faire une avant. Alors là, il y a encore un petit coffre. Il y a une épée en diamant en fer, je veux dire. Et la Polish Vodka. Polish Vodka, c'est ça. Oh bah chier, tu l'as pris dans les mains. C'est fou. Zubruza. Donc, il se dit, tech, on remonte à la suite.